Bonjour, je m'appelle Suzon, je suis belge de Bruxelles, j'ai 31 ans et j'ai fait la formation pédagogique en l'année 2012-2013, ça fait presque 10 ans. Alors, j'ai un peu toujours su que la formation pédagogique existait, dans le sens où j'étais élève ici en cours du soir depuis que j'ai 12 ans. J'ai toujours adoré le cirque, mais j'avais jamais vraiment envisagé de le faire, je sais pas trop pourquoi. Et puis j'ai fait éducation physique à l'ULB, et le côté un peu créatif de sortir un peu du cadre, de pouvoir s'exprimer m'a beaucoup manqué. Et donc j'ai décidé de faire la formation pédagogique en ayant en tête que ça allait aussi me préparer pour peut-être une carrière artistique qui m'intéressait aussi. Pendant la formation pédagogique, c'était vraiment très agréable. Je connaissais Bruxelles, j'étais d'ici. Et j'avais déjà un bon bagage pédagogique, j'avais un bon bagage en cirque. Et du coup, c'était vraiment agréable de me sentir un peu dans cette position forte, de pouvoir accompagner les autres qui arrivaient à Bruxelles. Alors, en fin de formation pédagogique, j'ai découvert tout un réseau européen grâce à la formation pédagogique. Je ne m'étais jamais imaginé voyager, mais en voyant ce réseau, je me suis dit, en fait, c'est la prochaine étape pour moi. Et donc grâce aux connexions que j'ai faites pendant la formation pédagogique avec des anciens FP aussi, j'ai décidé de partir un an en tant que bénévole en Irlande, travailler dans une école de Galway Comedy Circus. Et ça a été la meilleure décision que j'ai jamais prise parce que j'ai découvert plein de choses et c'est là vraiment que j'ai retrouvé la confiance en moi pour me lancer dans une carrière artistique. Et donc maintenant, c'est ce que je fais. Je suis pédagogue, où j'ai un poste en tant qu'assistante à l'ULB, j'écris des syllabus de formation, je donne cours, et j'ai ma compagnie et je crée mon premier spectacle pour la salle de 50 minutes. Et donc j'ai vraiment les deux que la formation pédagogique m'a apporté.